Salut à tous, c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est en exclusivité à Wheelin. C'est un gros centre de VTT qui vient d'ouvrir à Clermont-Ferrand. Du VTT, de pump track, de l'airbike, du skatepark. Ici, il y a de quoi s'éclater. Et là, on est sur la partie VTT pour essayer. C'est encore en construction. Il y a un petit dual ici qu'on va essayer. Après, il y a des escaliers, il y a un wall, il y a des pneus. Il y a une petite passerelle, donc on va essayer tous ces modules. Allez, let's go. Pour commencer, le premier obstacle, des pneus à franchir, des pneus un petit peu mous, mais des pneus surtout Michelin. En plus, on est corporate ici, on va lui faire honneur. C'est parti. Hop, ça c'est fait. Ça continue ici, vas-y, viens voir. Avec une petite partie trial, avec des escaliers, normalement, je pense qu'on est censé les descendre, mais nous, on va les monter. Et hop. Hop. Ouais, ça glisse. On va recommencer. Yo. Ouais. Ouais, je suis collé. Allez. Hop, hop. Ça glisse un peu. Il va y avoir du défi, ça me plaît. Ça aurait été trop simple si c'était sec. Hop, hop. C'est là où j'ai glissé. Et voilà. Ah, ça c'est fait. Ouh, par l'avant. J'ai fait faire un par l'avant. C'est le petit défi, faire ça sur la roue arrière. On arrive sur un truc plus simple, tiens, pour enlever un peu la boue, des petits pavés à passer, on teste les suspensions. Ok, ça, ça va. Ici, on a quoi? On a un petit retour avec des lignes. Je pense que le but, c'est de ne pas toucher la terre, uniquement toucher le bois. Tester ça. Voilà, il n'y a pas de hauteur, ça va. Ok. C'est pour la maniabilité, ça. Tchouk. Hop. Voilà, ça c'est fait. J'enchaîne avec le wall. On a encore la passerelle qui est en train de se construire là-haut pour pouvoir monter. Mais nous, ce qu'on va faire, on va passer dedans. Le petit sentier pour aller sur un autre parcours là. Hop, le petit pont. Et ici, on arrive sur la partie dual, c'est-à-dire il y a deux voies identiques. Et le but, c'est d'aller le plus vite possible. Malheureusement, j'ai juste un tracteur qui est face à moi. Je pense que je devrais le battre. On va voir ce que ça donne. Des petits virages. À gauche, à droite. Ici, il y a un peu de trial, c'est pas mal ça. Hop, hop, hop. Ça continue, tiens. Devant, avec des petites bosses. On va faire en wheeling, allez, hop. Hop. Youhou. La fin du parcours. Hop, dans les pierres. Surtout le truc qui est vraiment sympa, un petit détail que j'ai pas vu ailleurs, c'est les petits arbres quand même. On est en intérieur, mais ils ont quand même pensé à mettre des petits sapins, des petits arbres. Ça fait vraiment nature. On va faire les escaliers sur la roue arrière, allez, hop. Tac, tac. Hop là. Regarde ce qui m'attend. Le BMX est juste là, c'est parfait. On termine au bon endroit. On va se changer, mettre un pantalon, un nouveau casque. Et on va aller sur le pump track. C'est un petit défi, il y en a un invité surprise, vous allez voir. C'est grâce à Michelin que je suis là aujourd'hui pour tester tous les pneus en avant-première également. Et on est sur ce pump track, un magnifique pump track. Un pump track qui a la particularité d'être symétrique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se faire des petits battles un contre un. Et pour ça, j'ai un invité très spécial de la team Michelin qui me rejoint, Amidou Mir. Où es-tu, Amidou? Amidou! Amidou, le temps qu'il arrive, je tiens à préciser que c'est grâce à lui que je peux rouler sur ces pneus Michelin Pilot SX. Comment ça va? Ça va, et toi? La forme. Attends, check, c'est Covid. Hein. Voilà, Covid, hop là. Du coup, Amidou, vous savez, il avait fait une vidéo avec moi il y a quoi? Il y a un an, je crois, un truc comme ça. L'année dernière sur la piste de Gerza, ouais. Exactement, c'était lancé des bons défis. Et on avait parlé de ce nouveau pneu de BMX en phase de test, et j'ai cru savoir qu'il allait sortir bientôt. Normalement, on devrait les sortir janvier 21. Janvier 21. Janvier 2021. Les Jeux Olympiques, hein, ils seront prêts pour les Jeux Olympiques, du coup, vu que ça a été reporté d'un an. Alors, on est sur le pump track, un truc tout nouveau. C'est la première fois que je vois un vrai pump track un contre un. Mais là, on va peut-être se lancer des premiers défis manual saut. T'es vu rider un petit peu, qu'est-ce que tu me proposes? Pour moi, je pense qu'on devrait déjà faire repérage de piste. Petit tour tranquille, ok. Ça viendra au feeling, vas-y. Allez, vas-y, je te suis. Ça veut dire qu'on part là-bas. C'est parti. On attaque. Premier virage ici. Hop, là enchaînement de petites bosses. Et hop, là virage serré. Wow. Ah ouais, là faut pas rater, il y a un poteau. Wow, ça tourne au sec. Là virage double, virage. Là on peut se faire du petit manual. Ok, c'est pas mal. Virage sec. Et là on revient. Ouh, là c'est comprimé là. C'est bon, on est chaud là. Ah ouais, ça chauffe. Ça tourne sec à des endroits. Hein. Cette ligne là, manual, manual, manual. Est-ce que tu serais chaud? T'es vraiment très chaud. Continuez, 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 continuez. Là, ça redescend. Tournez. Oh là, ce serait magnifique. Tournez et enchaîne derrière. Let's go. Vas-y, montre-moi. La démonstration. Yo. Ouais. Yes. Oh oui, oh oui, oh oui. Vas-y. Ah, t'as touché l'avant. Je l'ai vu.
Oh là là, j'ai presque touché la montée. Mais c'est vrai que le parcours il monte, hein. C'est pas plat, hein. Faut pousser à chaque fois. Bah Amidou, c'est pas une excuse. Faut qu'on arrive jusqu'en haut et qu'on tourne. Yes, allez, allez. Oui, allez, 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 allez. Oui, on a le droit, ça on a le droit. Vas-y, 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 vas-y. Ouais, ça finit sur le VTT. On avait dit manual, mais wheeling, c'est bon. Hein. L'important, c'était pas toucher l'avant. Bah oui, wheeling, on a wheeling, wheeling, on a le droit. Allez, moi je le valide. Yes. Oh oui, oh oui. Ah. Oh, je termine en trial, c'est pas grave, on a dit qu'on avait le droit. Ah. Yeah. Voilà. Voilà. Encore, toujours. Wheeling, hein, wheeling, wheeling. Voilà. Yeah. Et backflip. Yes. Joli. Demi-manual, mais on a fait le tour, c'est accepté. Le manual, ça c'est fait, ok. Deuxième défi, je sais ce que tu vas faire, des sauts, j'imagine. Comme ça, au moins, les gens qui vont venir ici, on va leur donner des lignes imposées, tu vois. Ils vont se dire, ah, j'ai envie de l'essayer. On va aller visualiser. Le dernier, quoi, avant le virage. Celui-là. Ne montre pas trop ce qui se passe derrière. Il y a le skatepark, mais c'est après dans la vidéo. Faut pas trop qu'ils voient. Donc, on va rester là. Du coup, on arrive ici, virage. Ça, ça. Et là, en gros, saut un peu en descente. Ok, vas-y, je te suis. Ok. Wouah. Ah oui, le petit quarter là-bas, je l'ai vu. Ok, c'est vrai que la tête, non, il y a de la marge, mais j'ai baissé la tête quoi. Quarter là-bas, j'ai vu, un truc, enfin pas quarter, je sais pas comment on appelle ça, mais... Ah, on saute ici, là on met du style, ce que je sais pas faire, mais Amidou il va nous en faire, et on ressaute là. Oh, j'arrive pas vite moi, j'arrivais pas vite. Et là le quarter, du style, on veut du style mec. Et réceptionner là, tu voudrais? Genre un peu de côté comme ça. Petite démo. Là, ça pousse bien et là, ça jump. Yes! Le quarter là-bas. Yeah, du style! Youhou! Du coup, la technique des virages en pump track. Amidou, il arrive. Exter, inter, et là, tu ressors un peu exter. Ok. Bien, il nous apprend à faire du pump track, Amidou. Ouais, t'arrives au plus proche du rouge. On repique au niveau. Ouais, ok. Presque en bas. Et tu replaques vers le haut. Ok. Même pour celui-là qui est un peu serré. Ah ouais, je pensais qu'il fallait rester externe, moi. D'accord. Ok, et là, normalement, t'arrives avec plus de speed. Ouais. Ok, donc là, le but, c'est vraiment de faire ce saut-là. Yes! Un saut que vous allez pouvoir essayer à Wheeling, mettez dans les stories, on veut le voir. Bon, merci Amidou pour cette petite initiation au pump track. On a appris des bases, comment sauter, comment prendre des virages, déjà on est pas mal. On a senti qu'il y avait de la bonne accroche, hein. T'as bien travaillé, ça va. Par contre, je suis un peu déçu de Michelin, les gars. On avait dit qu'on voudrait les appeler Amidoumi Replica, mais bon. T'as pas négocié terrible contrat cette année. Hein. On va dire que j'ai négocié, mais bon, vous inquiétez pas, je mettrai un sticker pour venir. On veut le voir. Ça, c'est rien. Et ben, écoute, bon courage, puisque là, on tourne la semaine avant les championnats de France. Là, Amidou, il prépare les championnats de France, si le Covid le permet. J'espère, on croise les doigts. Donc, et on espère te voir sur le podium, mec. Ça va faire plaisir. On sera là pour te supporter. Bon, en tout cas, merci mec. Yes. A plus, du coup, nous, on va changer de spot. Allez, on change de spot, c'est parti. Yo! Donc là, on est sur l'airbag. On va tenter bien sûr des figures. Du coup, je change encore de vélo pour passer sur cette fois-ci le dirt avec les pneus Michelin prototype qui vont être dédiés pour le pump track justement. Ils vont s'appeler Pilot Pump. Mais là, on va s'en servir pour faire de l'airbag. Regarde l'airbag qui est ici. Chouette airbag. Il y a trois rampes. Là, ils ont été obligés de faire une fosse pour pouvoir prendre un maximum de speed. Je vais tester la petite tranquille là, celle de droite pour commencer. On va tenter un petit 3-6 dessus, ça te va? Allez, c'est parti pour le 3-6. Hop. Yes. Voilà, bien cool. En plus, je connais cette airbag, la marque Backjump. Moi, j'ai acheté le même là cet hiver pour faire mes démonstrations avec le Bomber Show. Bah d'ailleurs, vous avez vu, j'ai changé plusieurs fois de t-shirt dans la vidéo. Trois nouveaux t-shirts sont en vente sur ma boutique et j'ai glissé dans cette vidéo trois codes au hasard qui vont vous permettre d'aller sur ma boutique et d'avoir un t-shirt gratuit. Donc trouvez-les, utilisez-le sur la boutique et vous aurez un t-shirt gratuit. Seulement une utilisation, les gars. Donc dépêchez-vous, allez-y maintenant. Alors, on va passer sur la deuxième rampe avec un petit backflip, tiens, pour commencer. Je vais tester le petit backflip. On prend un petit peu plus de speed. On va voir si ça suffit pour en sortir. Allez, c'est parti. Hop là. Je vais le refaire. Je vais essayer de prendre un petit peu plus de vitesse. Il me manquait un petit peu de vitesse là. Je vais essayer de pédaler un petit peu dans la descente. Et je vais partir du coin ici là. Allez, hop. C'est parti.
Voilà. Ouais, faut prendre de la vitesse quand même, hein. Bon, voilà, deuxième saut, on arrive un petit peu plus haut. C'est vrai qu'il faut bien prendre de l'élan. Je pense que le troisième sera mieux encore pour les tricks. Même s'il est un poil plus bas, c'est un vrai step up. C'est-à-dire qu'on part du bas pour aller jusqu'en haut. En tout cas, la fosse est plus profonde. Du coup, je pense qu'on prendra plus de speed. Je vais essayer un backflip sur celui-là. On m'a dit, il y a un rider, parce que vraiment, ils ont essayé, qui a réussi à toucher le plafond. Mais moi, j'ai encore de la marge, hein. Prendre le speed d'ici. Aïe 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 le vélo. Aïe aïe aïe. Bah voilà, bah il est rangé. J'espère juste qu'il est pas cassé. Aïe aïe aïe. Ouh. Bon bah on va réessayer hein. Ça va, le vélo a rien. Il a fait un bon petit vol. Seulement j'avais vraiment pas assez d'élan, du coup j'ai préféré m'éjecter en l'air. Mais ouais, il faut pas moins d'élan quoi. Hein. Ok, on va pousser à fond là. Deuxième essai, c'est parti. Ouah, trop fort. Ouah, sur rota. Toi aussi, je me suis dit, je tire tout, au moins ça passe. Tu veux que j'essaye un 700, bah ok. Alors déjà, ce sera celle de droite, ouais. 540, un tour et demi si tu veux. Au max, au max. De toute façon, on est sur un airbag, autant tenter des trucs. Je sais pas ce que ça va donner, hein. Je vais essayer de tourner, quoi. Je vais essayer de faire un truc. Je sais pas ce que je vais faire, mais ça va tourner. Il manquait un peu, non? J'ai quand même la tête qui a bien tapé, hein. Je fais boum. Enfin, je crois que je l'ai lancé trop tôt et je suis resté accroché. Je vais essayer un truc. Je te réserve une surprise. Si j'y arrive, mon gars, je suis roi du monde. Je vais faire sur celle du milieu, par contre. J'ai déjà vu ça sur Internet. Il avait de l'idée ou pas, là? Tu l'as vu, mon idée? Moi, ce que j'ai vu sur Internet, c'est le mec qui faisait back. Il rebondissait, il faisait front avec le vélo. Voilà, j'ai fait back et front sans le vélo. Alors, est-ce que j'essaye juste sans le vélo? J'essaye juste d'arriver à pied. Oh, presque. Je suis sûr qu'il va passer. J'ai vraiment envie de le rentrer. Du coup, je me suis engagé à vous faire gagner une paire de pneus Michelin, celle de votre choix. Soit du pump track, soit du BMX, soit du VTT. Que vous voulez, je négocierai avec Michelin, c'est pour moi. C'est cadeau. En plus, ils sponsorisent la vidéo, donc normalement, ça devrait le faire. Une paire de pneus Michelin offert si j'arrive cette technique. Allez, en plus des trois t-shirts Bomber Show, les gars. Aujourd'hui, c'est Noël. Allez. Yes! Yeah. En plus, presque réception manuelle, mon gars, t'as vu? Ah, putain, je suis content là. Bon, bah, du coup, je vous ferai gagner une paire de pneus Michelin. On va organiser ça, un petit jeu concours sur mon Instagram par exemple. Je vais préparer ça. Allez tout de suite à la fin de la vidéo, checker mon Instagram et participer pour jouer. Et encore merci à Michelin qui offre ses pneus. Hein. Putain, je suis refait là. Est-ce qu'il y a cette vidéo, non? Et après, tu vois là-bas, il y a le skatepark. C'est la dernière partie. Je sais pas ce qu'on va faire parce que c'est là où je suis le moins confiant. Ça risque d'être dangereux là-bas, mais allez, un dernier. Chaud, chaud, chaud! So, il était encore un peu chaud celui-là, mais c'est passé. Yeah, c'est lourd! En plus, grosse particularité ici, il y a une résie. Et ça, c'est vraiment cool quand t'as envie d'envoyer des tricks et tout. Résie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ici, c'est une espèce de plastique, tu vois, qui glisse vachement. Du coup, si tu tombes, tu vois, tu glisses. Et il y a de la petite mousse ici, comme ça, ça amortit ta chute. Alors moi, qui suis pas du tout orienté skatepark, on va essayer de trouver quelques lignes. Regarde ça, là, waouh! Manual. Ah ouais, t'es chaud. Est-ce que je peux déjà le faire sur les deux roues et après je le fais sur une roue? Ça peut t'aller ou pas? Ouais. Tu me lances des petits défis trial, ça me plaît ça. Je fais juste le quarter là. Hop, pas trop vite. Yes. Maintenant de là à le faire sur la roue arrière, défi accepté. Ah non! Ah, il y avait un truc là. Ça c'est fait, du pic au pic. Là il y a une rampe de lancement. Voilà. Nice. Et là maintenant, dernier truc, tu vois le grand wall que j'avais dit. Je vais essayer de monter, tourner, ouais au max, vas-y. Repiquer, essayer de sauter cette table. Ah. Voilà Bresso. J'ai transpiré toute la journée là. Il restait encore quelques trucs à faire, hein, comme la barre de slide ici. Je peux finir sur une note trial, monter sur le truc en béton. Du coup, je vais vous offrir voilà, la paire de Michelin, la paire de pneus de votre choix. J'espère que ça vous a plu. Pense bien sûr à t'abonner. À la semaine prochaine. Salut.